Bonjour à tous. Au menu de cette séance, les télécoms alors que se préparait une opération dans le secteur et la Grèce. Une réunion de la dernière chance se tient aujourd'hui à Bruxelles entre Athènes et ses créanciers. Et dans l'actualité aujourd'hui, Peugeot qui a signé vendredi un accord avec le Maroc pour y construire une nouvelle usine. L'investissement se monte à 557 millions d'euros. Et puis Vivendi qui devrait annoncer cette semaine qu'il va porter sa participation dans Telecom Italia à 14,9% du capital. Les choses accélèrent dans le secteur des télécoms. Le journal du dimanche affirmait hier qu'Altice avait proposé 10 milliards d'euros pour reprendre Bouygues Télécom. Et ce dernier confirme ce matin avoir reçu une offre non sollicitée, mais indique qu'aucune négociation n'est en cours. Un conseil d'administration de Bouygues Télécom se tiendra mardi 23 juin pour examiner l'offre d'Altice. Et par ailleurs, Iliad, maison mère de Free, a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Numérica Blesséfer pour racheter certains actifs dans le cadre de cette opération. Voilà, c'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.